Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play sur My Ninja. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai augmenté le niveau, tout simplement, j'ai XP. En parlant de ça, je voulais vous annoncer, en fait j'ai fait une vidéo sur My Ninja, j'ai fait une vidéo sur Pokémon Platine et Pokémon Ranger et j'étais en compagnie de Zogamist, mais en fait Zogamist on l'entendait pas. Alors je vais quand même mettre les vidéos, mais ça sera du bonus, donc ça, enfin vous pouvez aller voir, mais bon on en, enfin des fois on rigole et vous comprendrez pas pourquoi, puisque des fois on l'entend pas. Voilà. Donc là du coup je reprends les vidéos tout seul, donc je vais refaire les trois. Donc si vous regardez pas la vidéo bonus de My Ninja, je vais vous réexpliquer ce que c'est. Donc le home, c'est tout simplement on voit notre personnage. Donc voilà, donc j'ai équipé le petit kunai de glace et j'ai acheté une nouvelle tenue, mais je vous ferai voir plus tard. Voilà, donc là on voit notre petit personnage. Quest, c'est quand on remplit des quêtes, ça nous donne quelque chose. Voilà, donc là on a gagné des quêtes, hop. Là ça nous a rapporté un sac de sous et de l'XP. Là, et je suis passé déjà level 13, c'est cool ça. Voilà, donc ça c'est cool. Upgrade, c'est comme son nom l'indique, ça sert à augmenter le niveau de vos équipements. Donc là on a le kunai plus la tenue. Donc bon, je vais peut-être augmenter la tenue en parlant de ça. Donc en fait les marteaux ils sont triés dans l'ordre croissant, donc du plus au plus grand. Donc on a le bronze, le silver, l'or et le diamant. Donc le diamant, ça à partir du level 3, enfin avant le level 3, ça régène, enfin ça met tout. L'or, ça met la moitié, le silver ça met un peu moins de la moitié, et le bronze ça met un quart. Ensuite ça, je ne sais pas à quoi ça sert, et ça c'est le cadeau qu'on reçoit tous les jours. Donc en 6 heures j'ai reçu un cadeau. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu. Donc j'avais acheté la lance, en parlant de ça, niveau 18, j'avais acheté la lance, mais du coup comme j'ai gagné un kunai en faisant des missions, donc du coup il est mieux parce qu'il a 51, il fait 51 61 de dommages, alors que lui il fait de 33 35. La tenue elle est mieux parce qu'elle est 22 de défense et elle était à 15. Voilà, donc ça c'est assez sympa. On a gagné du pouvoir. Je me suis, c'est pas là, j'ai appris une nouvelle attaque, le Great Caton. Donc en fait ça attaque 3 fois, ça fait du 20 par 20. Donc en tout ça fait ça dépend. Ça fait entre du 72 à 80. Ça dépend, ça fait pas vraiment du 20 par 20. Un peu plus des fois. Mais bon bref. Donc ensuite, The Gamist, je l'ai en ami. Donc de temps en temps, si j'arrive à faire marcher. À faire marcher pas son micro, mais à l'entendre dans la vidéo, je le ferai des vidéos avec lui des fois. Donc et ben on va écouter, on va écouter, on va continuer l'aventure. Donc je suis passé Genin. Ça aussi en fait j'avais tourné deux épisodes de My Ninja qui ont foiré, donc du coup c'est un peu embêtant. Mais bon bref. Donc là j'avais fait 3 4 sur 4 de Malicious Vandals. Donc on va continuer du coup. Alors. Ok. Les frères Chris. Voilà. Ouais, j'ai pas tout lire, ça serait un peu long. Distal Gainsbourg. Ok, donc là en fait on va affronter des Big Papa avant d'affronter Damian. Ou Damian, je sais pas comment il l'appelle. Allez, charge, petite loi dingue. Donc on joue contre des Big Papas. Donc les Big Papas, ce qui sont cool, c'est qu'ils sont lents. Et par contre, c'est bizarre que je miss. Je trouve qu'il est pas très. Il est pas très fort le type feu. En fait, quand je vais arriver au niveau 28, je pense prendre mon personnage de type eau. Comme ça au moins ça fera diversifier un peu les attaques. Et tout, parce que sinon ça va être un peu chiant. Parce que je trouve qu'il est pas beaucoup. Enfin, il est pas très puissant en fait. Je trouve que c'est un peu embêtant.
C'est cool, on fait beaucoup de critical hit grâce à notre nouvelle à notre nouveau kunai, pardon. C'était quoi ce bruit? D'accord, j'ai entendu un bruit bizarre. Bref. Donc on a deux bi enfin, quatre Big Papa à affronter en tout. Alors avant chaque combat, je sais pas si je l'expliquais, mais on pouvait se heal en payant, enfin en utilisant des bah, des coins tout simplement. Voilà. Donc normalement je devrais tourner bah, les trois épisodes des Let's Play à la suite, donc Pokémon Ranger, Pokémon Platine et Pokémon et My Ninja. Donc voilà, donc là je commence par My Ninja. Comme ça au moins. Mais je pense faire ensuite Pokémon Ranger et ensuite Pokémon Platine. Voilà, donc au pire l'ordre, hein, c'est pas bien grave. Donc là, normalement, on devra affronter Damien, si j'ai bien compris. Voilà, donc on va affronter Damien, qui est level 12, donc on est plus au level que lui. Il a pas beaucoup de vie pour un level 12, hein. À un moment, vous devez entendre, j'ai mon nouveau micro. D'accord, on lui a mis deux coups de kunai. J'ai mon nouveau micro, donc vous devez mieux m'entendre. Ensuite, le son du jeu, bien sûr, je ne l'ai pas activé comme un gros boulet. Mais ne vous inquiétez pas. Oh, je vais pas pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5. S'il te plaît, fight-toi pas. Parce que les fights, certes, c'est cool, mais bon, c'est toujours les mêmes personnages. Moi, j'aime bien affronter genre des boss et tout. Ça, c'est cool, par contre. Allez, allez. Fight. Donc là, on va affronter qui? Damien plus un alcoolique. Street Thug. Je sais pas comment on dit. Hop, toi, t'es mort. Je trouve qu'il est lent, Damien, pour un... En fait, je sais même pas ce qu'il est jaunine ou n'importe. C'est important, non, c'est un humain. Alors, je sais pas ce qu'il... Pourquoi il nous parle dans le bureau du Kage, du Hokage, pardon. Le Kage qui ressemble beaucoup à Sarutobi, pour ceux qui suivent les animés. Ah, on a accompli une quest. Ça c'est cool. Ah, on peut gagner un objet. Ça serait cool que je gagne le petit médaillon. Là, je sais pas à quoi il sert, mais bon. Oh là, ouh, elle aurait été marrant. On a gagné du kebab. Non, je sais pas, on a gagné des brochettes ou je sais pas quoi. Il ressemble un peu à un marchand ou un truc comme ça, Damien. Alors lui, c'est un peu un... Bon, Kakashi, mais on dirait Yamato, comme dirait The y a beaucoup d'allusions au jeu. Donc là, on dirait un peu Sasuke. Bon, Sakura, c'est facile. Voilà. Donc là, on a accompli... La... Ah voilà, on a des petits bruits. Des petits bruits d'étoiles. On a accompli la mission et on est passé level 14. Ça augmente beaucoup beaucoup les levels au début. Jusqu'au niveau 20-25, ça augmente beaucoup. Ça c'est cool par contre. Donc avant de faire un level 15 même quand même. Oh ben dis donc. Le son. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. On va peut-être baisser. Voilà. Donc on va aller chercher nos objets pour la quête, même deux quêtes. Donc on a eu des ramen plus un sac de coins. Parfait. Et on a eu de l'XP plus un sac de coins. C'est chiant que ça s'arrête la musique à chaque fois. Bag, on va aller chercher nos sacs pour nous faire un peu de sous. Donc les sous sont buggés, mais normalement là j'ai 11 000 et quelques. Et là j'ai 17 pavés, enfin des trucs, des... Comment ils appellent ça eux? Ils appellent même pas ça. Ah c'est du gold, ouais voilà. Du gold et là des coins, ouais. Je me demande s'il n'y a pas des nouvelles armures. Ah si, on peut acheter l'armure de Naruto ou de Sasuke. Ça c'est marrant. Il y a quoi là? Ah oui, ça c'est vrai. Dodge. Il y a même le sac d'école. Ça coûte combien ça? Je sais pas, mais c'est beauf. Ça c'est la truc de Sakura. Bon, on va pas acheter de d'armor tout de suite. Les waypoints, je sais pas.
Waypoint. Alors, 49,53. 49,53. 49,53. Ok, donc il n'y a pas meilleur. Et on va voir nous combien il fait. 51,61. Donc je pense qu'on va le garder un moment celui-là. Et on va continuer l'émission. C'est peut-être mieux avec de la musique, c'est un peu plus vivant, je trouve. Excusez-moi. Alors là, on va faire quoi? On va chercher. Ça, c'est marrant, les animations, je trouve, c'est assez classe. Ils ont fait du bon boulot. Ah, on affronte un... Oh, les musiques du combat, je les avais jamais écoutées, sont énormes. On affronte une géante araignée, un petit serpent. Oula, il nous crache du venin. C'est un Orochimaru celui-là. Oui, il fait beaucoup de dégâts à cause de son feu. Mais bon, je préfère quand même l'eau. J'espère que vous m'entendez bien là. J'espère que c'est pas non plus trop trop fort. 1, 2, 3. J'ai peut-être baissé un peu le son du jeu en fait. Game volume. Ouais, je sais pas. Il y a une fight. On va voir si le son du jeu est pas trop. Voilà. Peu plus fort, voilà. En fait, je sais pas pourquoi, mais le voice volume, c'est le son du jeu. Comprenez, comprends pas pourquoi. Peut-être parce que c'est pas vraiment un jeu, c'est un... on va appeler ça un jeu. Je sais même pas comment appeler ça. Je sais pas. On va pas dire, c'est pas un jeu indépendant du tout. C'est pas un jeu flash du tout. Je sais pas. Je sais pas comment on va appeler ça. Un jeu particulier, on va appeler ça. Voilà. Kabashi. Encore, on va déjà affronter un boss, ça c'est cool. On affronte qui? Ok, on affronte des frères de sang. C'est vrai que les musiques du combat, j'avais jamais écouté, elles sont énormes en fait. Ouais, c'est assez cool. J'espère que j'aurai pas le droit d'auteur. Je pense pas. Je pense qu'ils ont pris des... Non, je pense qu'ils ont pris des... Des musiques pas très connues. Au pire, je m'en fiche, je monétise pas. Enfin, je monétise plus mes vidéos depuis qu'il y a eu des problèmes. Alors, on va chercher qui dans la forêt? En fait, il y a certains... enfin, je sais pas comment appeler ça, des sortes de mini-stages, ça, ce qu'on fait là. Il y a certains mini-stages qui sont lents, je trouve, comme celui-là, il est lent. Vous voyez, on dirait que je lag un peu, mais en fait, non, c'est juste le... C'est juste le mini-stage qui est comme ça. Ah, on affronte un loup de la forêt. Vous allez me dire, un loup, ça va pas non plus dans... Oh, il y a des loups. Pff, non, j'ai... J'allais dire n'importe quoi, j'allais dire il y a des loups de mer. N'importe quoi. Hop là. Voilà. Donc on a battu, on a fini et on les level. Oh, j'avais jamais écouté, c'est marrant ce truc. Oh. Donc voilà, on a complete et on va peut-être aller voir ce qu'il y a comme... Petite technique qui pourrait nous intéresser. Du 91 111. Oh oui, elle est forte celle-là. Oh. Écoutez, voilà, on va acheter ça. Ça. Et ça. Parfait. Et on va prendre ceci. Équipe now. Donc, bah, je vous l'ai déjà expliqué qu'au level 4, au level... C'est où déjà, oui. Jusqu'au level 20, on peut pas prendre plus de 4 techniques. Level 35, 46, 57. Donc ça, vous connaissez, hein. Et j'ai encore gagné du pouvoir. Donc ça, c'est assez cool. Qu'est-ce que je pourrais faire voir? Donc j'ai augmenté en...
Je crois que ça c'est la vitesse, un truc comme ça. Je crois que je suis plus rapide. Je suis plus ça c'est quoi ça? Basique attaque. Donc ça en basique attaque, donc un coup de kunai, je fais beaucoup de dégâts. Donc là j'ai du plus 30. En vitesse j'ai du plus 30 aussi. Donc j'ai du je sais pas en fait. Non, je sais pas en fait à quoi ça sert ça. Les attaques physiques. Non, c'est des attaques basiques ça aussi. J'en sais rien, écoutez. On va peut-être se laisser sur un petit combat d'arène vite fait. Donc les arènes, combat d'arène, c'est assez marrant. Oui, je connais ça. Bon, écoutez, on va affronter un level 11. C'est pas mais grave. Hein. Ah, il a l'épée de Zabuza. Oui, de Zabuza. Robert, on affronte Robert. Même contre les matchs en ligne. Enfin, match en ligne. On joue contre des bots, mais on joue contre des persos, franchement. Même contre des matchs comme ça. Bah, oh la vache! Ça a dû lui faire mal, lui. Hein. Et voilà. Donc, on a gagné un combat. Donc, on a augmenté notre niveau, notre rang. Donc, là, on gagne des streaks. On gagne de l'XP. On gagne ça qui nous servira pour acheter des trucs au shop de l'arène. On a gagné ça. Je sais pas quoi ça sert. J'irai voir plus tard. Et on a gagné une victoire d'affilée. Là, on n'a pas augmenté notre rang pour l'instant. On est un peu plus d'un million. Peut-être faire un dernier combat. Je suis level 16. 1800, il a quand même beaucoup. On va affronter lui, level 14. Super Cola. D'accord. Ah, oh, il a un arc. C'est cool. J'avais jamais vu. Enfin, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des arcs en fait, surtout. Ouh, il a beaucoup de vie, lui. Hein. Enfin, beaucoup pour son niveau, quoi. Je me demande ce qu'il est comme. Bah. Ce qu'il est comme. Ah ok, les types vent. Ah les types vent, ils sont forts aussi. Je sais parce que Zoga, il est type vent, il est fort. Hein. Tout, 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 tout. Et voilà. Donc on a gagné notre deuxième combat. C'était assez sympa. Je pense qu'on va se laisser ici. Hein. Écoutez, on a augmenté notre rang. On est bientôt en dessous des 1 million. J'ai eu peur que ça s'appelle bon. Donc j'espère que cette vidéo. Ah bah écoutez, avant de quitter la vidéo, on va récupérer notre petite quête. Donc on fera un petit tour vers les quêtes plus tard dans le prochain épisode. Donc normalement ça devrait être sous peu. On est jeudi. Ça devrait peut-être dans le week-end, My Ninja. Après on verra, je sais pas trop. Peut-être, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pouce bleuriser la vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!